Bonjour and welcome to Maisha France. My name is Maggie. Today we are going to be visiting a zip line in Kasi and the name is Kasi Forest. And let's go and meet Alain to tell us more about this. Bonjour Alain. Oui. Ça va? Ça va très bien. Pourquoi tu as décidé de faire cette activité à sensation forte et depuis combien de temps? J'exploite ce parc depuis 2014. L'idée est venue par le passé d'avoir géré ce genre d'affaires et construit des parcs. On a ici à Kasi une station balnéaire très connue. Pourquoi ici? Et en fait, c'est une demande de la commune qui voulait créer une activité supplémentaire pour les gens qui viennent en vacances dans la région. Comme on a toujours créé des parcs dans les règles de sécurité les plus élevées. On a été, validé par la commune. Parce qu'à la base, moi, je suis constructeur et je suis aussi qualifié en termes de sécurité pour monter des parcs que je fais vérifier par un organisme annuellement. Mais on travaille sur un cahier des charges très important. Et après, pour gérer ce genre d'activité, il faut avoir certaines qualifications. Oui. Tout le personnel qu'on engage, qu'on embauche, c'est uniquement que des professionnels. Il faut qu'ils aient un diplôme. Ici, on est dans un forêt. Il faut absolument un forêt pour faire ce type de... Oui, pour ce genre d'activité, oui, il faut qu'il y ait des arbres d'une certaine dimension, qui soient en bonne santé. On exploite 1 hectare de terrain. Oui. On est arrivé à créer, en choisissant les arbres, on a créé quand même 160 ateliers sur un seul hectare. 160 160 ateliers. Tout ce qu'on a construit, évidemment, ça a été vérifié et contrôlé. Sur un endroit assez restreint, nous sommes arrivés à faire... une activité qui est ludique et qui permet aux gens d'évoluer, de découvrir cette activité-là. Et c'est pour certains, c'est des petits cas psychologiques, parce qu'on a tous des difficultés, devant des appréhensions devant la hauteur. Parlons des gens qui font cette activité. Oui. Est-ce que tout le monde peut en faire sans difficulté particulière? Oui, tout le monde peut participer à ce genre d'activité, tout le monde peut la réaliser. On les prend à partir de 16-18 mois. Après, on peut aller, tant qu'on marche, on peut faire cette activité-là. C'est-à-dire à partir de 9-11 ans jusqu'à 13-14 ans, on peut faire une formule qui s'appelle la formule junior, qui comprend des grands parcours. Ce sont des parcours adultes. J'ai juste baissé ma ligne de vie pour que nos ados puissent avoir l'activité chez nous. Je refuse de prendre des gens qui ont une blessure au bras, une femme enceinte. On ne peut pas prendre le risque avec des gens qui ont une foulure, une entorse. Voilà, je ne prends pas ces personnes uniquement, mais en général, à 99%, je crois, tout le monde peut la pratiquer. On est là, s'il y a quoi que ce soit, une personne qui est en difficulté, on a une équipe, on intervient, on les aide à passer de la difficulté. Alain, tu m'as parlé de la ligne de vie. C'est oui. Quoi exactement? C'est important? C'est très important. En fait, la ligne de vie, ça permet d'évoluer dans les arbres en sécurité. C'est-à-dire qu'on a des systèmes où on ne peut pas se décrocher. Mais on a choisi le système le plus élaboré. Évidemment, ça a un coût, mais okay. C'est le coût, c'est la sécurité. On ne peut pas tomber, on ne peut pas se décrocher. C'est le gros avantage. Bon, Alain, malgré la sécurité totale, est-ce que ça arrive que les gens se fassent mal? Non. Chez nous, les gens se font pas mal. Oui. Sécurité, très haut niveau de sécurité, on ne se blesse pas, on ne se fait pas mal. Les gens viennent chez nous, ici, que pour ça. Quelle est la capacité que tu peux avoir des gens en même temps dans le parc? Alors, sur ce parc-là, je peux arriver en capacité maximum à 160 participants. Après, ça se présente rarement qu'on ait 160 personnes en même temps, mais c'est toujours à minima 100 personnes. Est-ce que les prix sont tous identiques, les tarifs d'entrée dans tous les parcs? Non. En fait, on a tous des tarifs différents parce que formules différentes. Nous, on a une formule différente qui correspond à un temps que l'on alloue à nos clients, c'est-à-dire qu'on leur laisse environ 3 heures de temps pour s'amuser. Je pense être bien placé en termes de prix. Les gens reviennent chez nous uniquement pour ça, parce qu'on leur laisse du temps. Ils s'amusent en sécurité, ils font une activité, ils peuvent pique-niquer, redémarrer. Et ce qui fait que voilà, je vais avoir cette notoriété aujourd'hui grâce à cette formule-là. Le prix d'entrée, par exemple, pour un couple avec 2 enfants. Nos parcours se réalisent en fonction de la taille des participants. Donc les enfants qui mesurent plus ou moins 1 mètre, il y a une tarification. Par exemple, si on donne le tarif, c'est 14 euros par enfant. Les parents ne paient pas. Voilà, ceux qui accompagnent, ils restent au sol. À partir de 1m30, on a d'autres parcours. La tarification est donc de 18 euros. Les gens qui veulent engager la zone complète, ça coûtera 21 euros. L'avantage de cette formule-là, c'est que les gens peuvent faire plusieurs fois le parcours. Si demain, je veux exploiter
en arborange, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que peut-être il faut parler de combien ça coûte, des installations? Bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Tu peux obtenir un terrain du domaine public, okay. C'est un peu plus compliqué parce qu'en général, c'est pas sur appel d'offres. C'est plus facile lorsque le terrain est privé. Les règles de sécurité, c'est toujours les mêmes. Il y aura toujours des contrôles phytosanitaires. Alors, ce qu'il faut pour construire, déjà, à la base, il faut être détenteur d'un diplôme, c'est un CQP. On ne peut pas exploiter un parc si on n'a pas ce diplôme-là. Si on n'est pas détenteur de ce diplôme-là, l'installation sera arrêtée directement. Après, en termes de coûts, c'est un parc comme on a nous, il faut compter, voilà, on a 160 arbres utilisés. Pour faire une somme globale, il faut que compter environ 2500 euros à 2800 euros par arbre. L'autre avantage, c'est que moi, je suis constructeur. Je n'ai pas cette main-d'œuvre à payer à une société. Donc, il n'y a que le matériel que j'achète et que j'installe et que je fais vérifier, évidemment. Sinon, c'est un coût énorme. La rentabilité d'un parc comme ça, il faut plus de 10 ans pour arriver à gagner de l'argent sur ce genre d'installation. Ah oui. Et nos charges, nos employés, on n'a jamais gagné notre vie avec ce genre d'activité. En fait, ce genre d'activité qui est ludique, on le fait par passion, d'une part. Le bureau est sympathique, on n'est pas dans un bureau enfermé. Voilà, de fait, voilà, c'est une qualité de vie. Aujourd'hui, cette exploitation, elle est viable, elle nous permet de vivre normalement. Mais sachez que pour construire un parc comme ça, ça aura un coût. Nous, on ne place que des ateliers très sécurisés. Ça a une importance concernant les tarifs d'assurance, parce que les assureurs réclament le contrôle de la société qui a fait le contrôle. Quand vous avez un rapport qui n'est pas bon, il faut savoir qu'il faut être assuré. Quelle est la partie la plus agréable de ton métier, Alain? La partie la plus agréable de mon métier, c'est d'être déjà à l'extérieur. Un travail qui est agréable parce qu'on n'a que des gens qui viennent s'amuser, on n'a pas de gens qui viennent stresser. Notre sentiment de satisfaction, c'est de savoir qu'un client qui vient chez nous, qui a bien pratiqué, qui s'est bien amusé et a envie de revenir chez nous. En fait, on fait tout pour ça. Et moi, c'est ma satisfaction. Et mon réel plaisir, c'est de travailler ici. C'est simplement magique. On voit des gens qui s'amusent. Des gens qui s'amusent. Et pour moi, c'est même pas un travail, c'est un amusement. Voilà. C'est la partie la plus facile et la plus belle, quoi, pour moi. T'es allé en forme, hein? Est-ce que tu as fait tous les parcours déjà? Bien sûr, puisqu'on les contrôle tous les jours ces parcours-là, puis je les ai construits. Il y a une préparation à faire, mais j'ai fait tous les parcours, oui, sans problème. Bon, merci beaucoup Alain, on a beaucoup appris, c'est très sympa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, et ça me fait vraiment plaisir, voilà, de vous avoir montré notre métier, la partie technique. Ce qui est agréable et moins agréable. Mais le plus agréable, c'est, voilà, c'est d'exploiter des choses comme ça. Et on est ravis de vous avoir reçu. Merci beaucoup. That was Alain with his zipline activity, Kasi Forest. Till next time, my name is Maggie. This is Maisha France. Bye for now.